Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Comme annoncé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, a animé une conférence de presse ce jeudi, 23 avril 2020, pour communiquer sur le cas de son directeur général, Dr Sakoba Keita, testé positif au coronavirus. Dr Bounaïa Tassé, directeur général adjoint de l'ANSS, a annoncé que le premier responsable de la lutte contre le Covid-19 en Guinée est hospitalisé au camp Alpha YKYK Diallo de Conakry, rapporte un journaliste de guinematin.com qui était sur place. Nous sommes désolés de vous informer que Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, a été testé positif au Covid-19. Dr Sakoba s'était isolé lui-même depuis le lundi, 20 avril 2020, en attendant les résultats de son test. Les résultats du laboratoire sont devenus disponibles dans les 48 heures passées. Il est au repos complet et nous lui souhaitons une récupération rapide, a-t-il dit, ajoutant que Dr Sakoba Keita est hospitalisé au CTPI, un centre de traitement installé au camp Alpha YKYK Diallo de Conakry. Dr Bounaïa Tassé rassure toutefois, que cette situation n'entamera pas le travail de l'ANSS. Selon lui, l'agence avait déjà pris des dispositions pour prévenir d'éventuels cas de contamination dans ses rangs. Nous sommes très conscients que par la nature même de notre travail, le personnel de l'ANSS et ses partenaires sont à un risque plus élevé que la majorité de nos concitoyens. D'ailleurs, l'ANSS avait déjà mis en place des mesures agressives pour empêcher la propagation dans ses rangs au cas où un de ses membres ou partenaires devenait positif. Un dispositif de prise de température et de lavage des mains est mis en place à l'entrée de l'agence. Le nombre de personnes permises aux différentes réunions a été restreint pour permettre de garder une distance d'au moins un mètre entre chacun. Un système de vidéoconférence est mis en place et est fonctionnel actuellement. Comme l'a fait Dr Sakoba Keita, toute personne ne se sentant pas bien doit immédiatement se mettre en quarantaine pour ne pas faire des risques. Il y a 10 jours, toute l'équipe de l'ANSS avait subi un test de Covid-19 dans un effort de s'assurer qu'il n'y avait parmi nous aucun malade. Quelques jours plus tard, tous les bureaux de l'ANSS avaient été pulvérisés, a dit le DGA de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.